Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits finis. C'est parti. Tout d'abord j'ai fini le shampoing sec de chez Baptiste, donc le rose. Je le trouve hyper bien, le seul truc que j'aime pas trop c'est l'odeur, mais je m'en suis rendu compte qu'il y a très peu de temps puisque depuis le début que j'utilise des shampoings secs, j'utilise que celui-là. Donc c'est dernièrement, en me disant je vais peut-être en essayer d'autres, que j'ai remarqué que l'odeur de celui-là en fait elle est pas si ouf que ça, mais sinon oui je le rachèterai parce qu'il est très très bon. Ensuite j'ai fini ma crème Curaspot pour les boutons. Donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'acné, donc oui je rachète et oui je rachèterai encore et encore. J'ai fini ma crème Keratinyl PP de chez Ducray, donc oui je l'ai déjà racheté, donc là j'ai que la boîte puisque le tube je l'ai carrément coupé pour finir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ensuite j'ai fini un gel douche, donc le petit marseillais au beurre de karité et acacia, donc j'adore l'odeur, il est juste top pour l'été, donc oui je vais le racheter mais pas tout de suite parce que là j'ai... Ensuite j'ai fini les lingettes démaquillantes de chez Barbara Gould, donc oui je les rachèterai parce qu'elles sont juste top, elles démaquillent hyper bien, même le maquillage waterproof, donc oui je les rachèterai mais encore une fois pas tout de suite parce que j'ai plein de démaquillantes. J'ai fini aussi un gel exfoliant de chez Neutrogena, donc non celui-là je ne le rachèterai pas puisque je n'ai absolument pas aimé ce produit. Premièrement il me donne des boutons et deuxièmement juste je l'aime pas. Non en vrai genre juste le fait déjà qu'il me donne des boutons ça fait que non je peux pas l'utiliser, c'est juste pas possible. Du coup je l'ai carrément fini en l'utilisant. J'ai fini un masque à l'argile, donc non je le rachèterai pas puisque de toute façon j'ai de l'argile en poudre et du coup je trouve ça plus pratique. Et ensuite c'est un hyper grand format quand même je trouve, sachant qu'un masque à l'argile on en fait pas tous les jours. Et donc on met longtemps à le finir, le seul problème c'est qu'il sèche assez vite, du coup c'est pas pratique. Et ensuite quand on arrive donc à la fin, ici c'est vraiment pas pratique pour récupérer ce qui reste. Donc non je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un gommage pour le corps de chez Manava, donc de chez Leclerc. Donc oui je le rachèterai, d'ailleurs je l'ai déjà racheté mais avec une autre odeur. Il est juste trop bien puisque je suis obligée actuellement de me faire un gommage sur les jambes tous les jours. Et du coup il me faut pas un gommage trop abrasif parce que sinon... mes jambes elles vont mal finir. Et du coup celui-là il est juste trop bien parce qu'il y a des grains mais ils sont pas trop gros, en plus il y en a pas beaucoup, donc il est juste trop bien et l'odeur c'est une tuerie, donc c'est au pétale d'Orient, donc oui je le rachète. Donc avant dernier produit, j'ai fini un eyeliner waterproof de chez Essence, donc non je ne le rachèterai pas étant donné que il est juste on va le dire clairement merdique. Donc oui au début il fait des beaux traits d'eyeliner et tout ça, donc j'en ai un deuxième que je suis en train d'utiliser actuellement, donc c'est avec celui-là que je mettrai d'eyeliner, mais mis à part ça en fait le feutre, la pointe du feutre sèche hyper rapidement, ce qui fait que au final on peut même plus faire une virgule normale, donc on finit par se prendre la tête bien sûr hein. Et du coup non c'est juste pas possible, donc et ensuite j'ai fini une bougie de chez Maison du Monde, donc c'est mon copain qui me l'avait offerte et franchement elle sent hyper bon, elle est au fruit rouge. Oui je la rachèterai je pense parce que genre l'odeur c'est une tuerie. Et en plus il n'y a pas besoin de la laisser longtemps dans la chambre pour que toute la chambre sente les feux. Donc voilà la vidéo est terminée, je sais elle n'aura pas été très longue, mais dans mes vidéos produits finis je vous présenterai à chaque fois que 10 produits, comme ça ça évite que les vidéos durent 30 ans. Et donc c'est pour ça qu'elle n'était pas très très longue. Donc bah voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à vendredi prochain, bye.